messieurs, cet aviso ennemi est écoulé. Le deuxième aviso ennemi s'approche maintenant de nous et vous devez vous préparer à l'accueillir. Vous pouvez également contrôler les options de tir de votre navire en utilisant les boutons bordés qui sont actuellement en surbrillance. Ces boutons contrôlent la principale batterie de canon sur la gauche et la droite du navire. Ils peuvent être utilisés pour envoyer une salve dévastatrice à l'ennemi. Essayez de cliquer sur l'un ou l'autre des boutons bordés maintenant. Regardez l'anneau orange qui entoure l'extérieur de votre bouton de bordée. Il indique combien de canons sont rechargés de ce côté et prêts à faire feu. Déplacez votre souris sur le bouton bordé pour voir exactement combien de canons sont prêts. Le nombre d'anneaux augmentera à mesure que les canons se rechargent. Vous pouvez à nouveau cliquer sur le bouton bordé pour décharger tous les canons qui sont prêts de ce côté. Cela vous donnera plus de contrôle sur le feu de votre navire et vous permettra d'infliger davantage de dégâts à vos ennemis. Vous pouvez utiliser les boutons en surbrillance pour faire tourner votre navire et garder votre ennemi à portée de votre bordée quand vous déplacez votre navire manuellement. Utilisez tout ce que vous pouvez pour contrôler votre navire au combat contre le dernier navire ennemi. Rappelez-vous que vous pouvez ordonner à votre navire d'attaquer tout en contrôlant son feu de bordée simultanément si vous le souhaitez. Chanceux a dématé l'aviso ennemi et son équipage le met à l'arrêt. C'est maintenant le bon moment pour prendre l'ennemi à l'abordage. Vous pouvez donner l'ordre à votre navire de prendre le lougre à l'abordage en cliquant sur le bouton abordage. Et en faisant un clic, bravo! Votre navire va maintenant se déplacer automatiquement en position et commencer à prendre l'ennemi à l'abordage. L'abordage est une option utile pour essayer de capturer les navires ennemis en les forçant à se rendre. Cela permet d'ajouter ce navire à votre faction une fois le combat terminé.
La viso ennemie s'est rendue. Bien joué, monsieur. C'est la fin du didacticiel de la bataille navale. Dans ce didacticiel, vous avez appris à contrôler la caméra, à déplacer votre navire, à attaquer. Bienvenue dans le didacticiel de bataille. Vous y apprendrez les rudiments pour commander vos armées sur le champ de bataille. Vous contrôlez l'armée britannique. Vos ennemis espagnols campent à l'intérieur et autour de cette ferme. Votre tâche est de mettre en déroute l'armée espagnole sur ce champ de bataille. Commencez par sélectionner vos canons. Cliquez gauche. Déplacez maintenant le curseur sur une unité ennemie et cliquez droit avec votre souris pour commander à vos canons d'attaquer. Pendant que vous bombardez l'ennemi, entraînez-vous à lever et à baisser votre caméra en faisant rouler le bouton du milieu de la souris. Autrement, vous pouvez utiliser les touches W ou X. Maintenez la pression en tirant avec vos canons sur la milice ennemie. À mesure des pertes subies, leur morale va décliner et entraîner leur déroute. Vous avez réussi à mettre en déroute l'unité ennemie. Si vous arrivez à mettre en déroute toutes les unités ennemies, vous obtiendrez la victoire. Vous pouvez utiliser les touches Z et S pour faire reculer et avancer la caméra. Et les touches Q et D pour vous déplacer à droite ou à gauche. Vous pouvez déplacer la caméra en cliquant sur le bouton du milieu de la souris et en le maintenant appuyé. Ou bien, vous pouvez utiliser les touches A et E. Allez-y. Sélectionnez une ligne d'infanterie en cliquant gauche sur l'unité ou en cliquant gauche sur la carte de l'unité qui se trouve sur la fenêtre Passage en revue, en bas de l'écran. Vous pouvez double-cliquer ici pour faire un panoramique sur l'unité. Maintenant, cliquez à gauche sur le bouton Feu à volonté qui se trouve sur la fenêtre. Cette unité va maintenant pouvoir faire feu automatiquement sur les unités ennemies à l'intérieur de leur ligne de mousquet. Cliquez une nouvelle fois sur ce bouton gauche pour annuler l'ordre. Alors que des troupes ennemies démoralisées peuvent continuer le combat une fois qu'elles ont repris courage, ces troupes espagnoles ont perdu toute motivation. Laissez-les s'enfuir. Bravo! Vous avez réussi à mettre en déroute la première vague d'unités ennemies. Maintenant, cliquez droit avec votre souris sur le lieu indiqué afin d'ordonner à votre unité de marcher dans cette direction.
Pour augmenter la vitesse de mouvement de votre unité, cliquez sur le bouton « Courir » sur le panneau de passage en revue ou double-cliquez lors de votre ordre de mouvement. Une deuxième vague ennemie approche. Gardez vos unités derrière cet abri afin de leur donner un avantage sur l'ennemi. Vous avez sérieusement réduit le nombre d'Espagnols. Cliquez sur le bouton d'attaque de mêlée dans le panneau des unités. Glissez la souris sur une unité ennemie et cliquez droit avec votre souris pour engager la mêlée. Vous pouvez double-cliquer pour charger. Ces hommes resteront en mode mêlée tant que le bouton est sélectionné. Cliquez à nouveau sur ce bouton pour désactiver le mode mêlée. Vos hommes tireront sur l'ennemi dès qu'ils recevront l'ordre d'attaquer. Atrás! Votre général a rejoint vos rangs pour l'ultime assaut. Utilisez-le judicieusement et protégez-le. Sa présence sur le champ de bataille remontera le moral des troupes voisines. Servez-vous des commandes que vous venez d'apprendre pour mettre en déroute le reste de l'armée espagnole. General, stop.